Michael pour le Sud-Ouest France. Bon, avec pour le Sud-Ouest de France. Ok. Sud-Ouest de France, les bonnes 73 à vous tous, les Québécois. Eh bien, ça fait plaisir de pouvoir vous entendre à nouveau, là, de la part de Rémi. Oh là là, Rémi est arrivé comme une tonne de briques, mon ami. Si hier, je t'ai entendu vraiment tout petit, c'était très QRP, là, aujourd'hui, je t'entends très fort. Affirmatif, mais je t'ai quand même entendu, donc pour moi c'était du validé quand même. Eh ben tu vois là au dernier passage, t'as réussi à m'arriver avec un bon Santiago de neuf. Et là pour te faire plaisir, j'ai remis le micro du push sur le décamétrique. Donc tu dois avoir un petit peu de relief derrière, je suppose, non? Retour de micro. Affirmatif QSL, et bien de mon côté aussi, là je suis en train de faire une petite vidéo. Là j'étais en train de travailler dehors, là, de m'occuper un petit peu de l'extérieur. Parce que là tu vois, nous ici, là on a un beau soleil, il fait 15 degrés, on commence à avoir un peu chaud. Shit, ça fait bizarre de dire ça. Mais là c'est on a un temps magnifique là ici sur le Sud-Ouest. Et de temps en temps je venais là au QRA, jeter un coup d'œil, enfin un coup d'oreille, pour voir si vous étiez là, et puis là du coup j'ai tout posé pour vite attraper la station. Jacques, à l'écoute pour le micro.
Ok, ouais, je savais pas trop. Voilà, j'ai remis le micro d'origine, là, du poste. Voilà, je suis à nouveau avec le micro d'origine. Maintenant, bon, je pense que là, la modulation doit être un petit peu différente, un petit peu plus plate, je suppose. Oui, j'ai réussi à l'entendre, mais c'était très QRP de mon côté, là. C'était très, très QRP de mon côté. Donc, je savais pas trop s'il avait relâché le micro. Donc, les bots 73-51 Jacques, de la part de Dandy33, pour le QRP. Z local, 14 Oscar Delta Romeo 002 pour l'indicatif DX et le prénom d'opérateur de mon côté c'est Rémi. Retour de micro, Jacques. Ah, j'ai pas du tout eu Roger de ce que tu as dit, Jacques. Là, j'ai un petit bruit de fond là en même temps là de mon côté. J'ai pas du tout compris ce que tu m'as dit là, Jack. J'ai pas eu Roger du tout, hein. Ok, ben toi tu passes toujours aussi fort, hein. C'est hallucinant, hein, qu'il y ait de la propague ou qu'il n'y ait pas de propague, hein. On arrive quand même à t'entendre, hein, Gilles. Hein. Remarque, quand on voit les photos là sur Internet, quand on te voit perché comme ça là en haut du pylône, j'imagine que là en ce moment t'es monté avec ton poste directement en haut du pylône pour être sûr de te faire entendre, à chi trois coups. Ok, ben, mis à part toi, j'entends pas grand monde là ici là sur le sud-ouest de France. Là, tu es quasiment le seul qui passe vraiment bien là de mon côté, hein. Et puis j'en parlais juste avant avec Jules. Alors, si vous avez une petite nouvelle, on va se prendre. Ici, la température.
Ok, merci pour le retour de micro, moins 16. Eh bien, toi, nous, on est carrément de l'autre côté. C'est plus 15 là, qu'on a ici, là, avec un beau soleil. Enfin, bon, j'espère que de votre côté, là, vous avez quand même un peu de soleil. Puisque, bon, c'est vrai que c'est hallucinant, hein, ces changements, là, qu'il peut y avoir, là, au niveau, je saute du Coq-à-l'âne. Peu importe, c'est pas grave. C'est hallucinant, ces changements de propagation, là, qu'il peut y avoir. Pendant quelques jours, les portes d'âme propag avaient claqué la porte de la propagation. On vous entendait plus. Et puis là, paf, ça y est, miracle, ça revient à nouveau. Eh bien, vous voyez, c'est ça, moi, que j'aime bien dans la radio. C'est cette totale improvisation qui a, justement, c'est la magie des ondes. Voilà, tout simplement, c'est la magie des ondes. On est dans un monde où tout doit être parfait, sans improvisation, tout doit être calculé. Et au diable tout ça, vive la radio et justement ce petit côté là de super cuméro là avec la propagation. Et bah, tout ça pour dire que je suis content de vous entendre à nouveau. Hachi, retour de micro. Ok, merci. Ah bah tiens, sur la fin, voilà, la propagation a chuté là de ton côté. Les bonnes 73-51, merci là de la chaleur, entre guillemets, là, que vous nous envoyez là sur les ondes. C'est vraiment super QRO de pouvoir vous entendre à niveau. Hein. Je vais faire un retour là du côté de Gilles, parce que je pense qu'il entend un peu plus de monde, là, il entend beaucoup plus de monde que moi là, par la même occasion. Retour Gilles. Affirmatif, ben tiens, puisque tu me dis ça, eh bien j'essaie de faire tant bien que mal un recul là au niveau de la station, faisant attention de ne pas me casser la figure, parce que là, par la même occasion, là, je suis assis. Alors, un petit... Oh non, ça, faut pas filmer, ça. Je suis passé sur un truc au niveau du bar qu'il fallait surtout pas montrer. Ouais. Hachi trois coups. Voilà, donc là, maintenant, le frigo, parce que tu vois, là, à force de parler comme ça, on a toujours soif. C'est hallucinant, on a toujours soif. Donc, eh bien, voilà, je te montre un petit peu de mon côté. Voilà, je reviens sur la station. Voilà, ok. Ouais, ben disons que c'est vrai que quand on regarde sur Internet, beaucoup de gens font de vidéos sur la CB. C'est super cuéro, c'est super bien, c'est génial. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil. Il manque le petit quelque chose. J'ai un concurrent très sévère hein, de votre côté, là, c'est André. Alors lui, quand il fait des vidéos, c'est de la vidéo professionnelle qu'il fait, lui, carrément. Et c'est j'arrive pas, je sais pas quel logiciel il utilise, mais j'arrive pas à le rattraper hein, de ce côté-là, quoi. Hachi trois coups. Ok, ben moi l'appareil que j'ai là, c'est un appareil photo qui fait vidéo. C'est un Nikon Coolpix. Après le numéro, je sais plus là.
Je sais pas si c'est la même chose, parce que lui, André, il en a plusieurs, hein, caméras, je pense. Hein. Là, il en a disposé plusieurs. Hein. Et il doit tout, à mon avis, commander depuis l'ordinateur, hein, certainement. Hein. Ça, par contre, moi, je peux pas le faire avec le mien. Hein. Du moment que j'y branche quelque chose dessus, ça le ferme de suite. Et puis, je peux plus travailler avec la vidéo. Donc, je suis pas sûr que ce soit la même chose. Hein. La même qualité, ça, j'en suis convaincu, hein, parce qu'il a du matériel vraiment de professionnel, hein, lui, André. Hein. Au fait, alors, au niveau micro, tu préfères celui-ci avec le micro d'origine, ou alors le micro que j'avais mis juste avant, le retour du micro, Gilles? Oui, c'est le micro fonctionne très bien avec la puissance d'écho. Toutefois, peut-être que la puissance de Rémi était un peu élevée tout ici, où tu arrivais vraiment comme une tonne de blé. Parce que ici, mon speaker, là, tu vas voir sur la vidéo, à l'extension de speaker, là, il faisait des vibrations. Là. J'essayais d'ajuster tout le volume pour empêcher mon speaker de vibrer tout ici. Ah, je suis trois coups. Eh bien, pour le poste, comme tu verras, c'est un Yazu FT450AT. Donc, du matériel, c'est un petit décamétrique, enfin, c'est un décamétrique moyen. Hein. Et donc là, je suis juste avec la puissance du poste. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. C'est-à-dire, ces petits postes, ça sort quoi? 90-100 watts, voilà, c'est tout. Hein. Mais après, c'est surtout l'antenne, hein, qui fait beaucoup. Hein. Là, ouais, d'accord. Hein. L'antenne, c'est le Sigma Mantova 8 Turbo. Voilà, c'est surtout grâce à elle, hein, que j'obtiens de si bons résultats. Hein. Et toi, contrairement à toi, moi, j'ai pas pu la monter très haute. Elle est seulement à 9 mètres du haut. Et là, pour ma part, je suis en plein village. Et j'ai une église historique qui est pas loin de chez moi. Et donc, je peux pas faire ce que je veux là au niveau hauteur d'antenne. Je pourrais mettre un pylône, puisque j'en ai un qui est couché là derrière chez moi. Mais il me faut des autorisations administratives. Il me faut tout ça. Et c'est pas du. C'est pas évident que ça soit accepté. Alors, en attendant que je me décide de remplir les papiers, parce que j'ai tout un dossier à remplir pour ça, ben je continue comme ça pour le moment. Ok, je l'avoue, je suis un petit peu feignant pour faire la démarche. Moi, les papiers, je pars du principe que là où c'est vraiment utile, les papiers, c'est pour allumer le barbecue. Alors forcément, quand il s'agit de papiers administratifs, ça se complique un peu. Un chi trois coups, retourne le micro, Gilles. Ok, ben vas-y, hein, y a pas de problème. Hein. Là, pour ma part, va falloir que je passe là quand même en QRX, en QRT même, puisque là, je profite du soleil pour m'occuper de l'extérieur, de l'espace vert. Parce que là, bon, j'ai presque 1000 mètres carrés de terrain. Là, bon, c'est un petit terrain, hein, que j'ai. Mais bon, ça commence à pousser, donc là j'ai pas mal de trucs à couper, de ça, là faut que je défriche un petit peu. Là j'ai, tout à l'heure je me suis occupé de tailler là bien 20 mètres, 30 mètres de haies. Là j'ai pas mal de trucs justement là, j'ai du travail qui m'attend, tout simplement à chi trois coups. Mais là pour le coup j'ai tout posé pour pouvoir être avec vous autres là en fréquence, mais là va falloir que j'y retourne d'ardeur, à chi trois coups. Donc je vais vous laisser, merci pour ce petit contact, ça a été super sympa. Voilà, j'ai la vidéo qui continue à tourner là en ce moment, hein. Je ne l'ai pas du tout arrêté. Et je m'occupe après là de la travailler, de faire ce qu'il faut dessus, la vignette qui ira bien dessus. J'ai déjà quelques idées en tête. Comme tu as vu, la précédente vignette, elle était sympa. Hein. Tu as vu, on te voit là dans le coin, là, c'est, elle était assez sympa, quoi. Chi trois coups. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup, hein, pour m'avoir fait rentrer dans votre QSO. Donc, les bonnes 73-51 à vous tous. Et je suis trop bavard. Et bonne journée à vous. Merci encore. Au revoir. Oui,
Affirmatif, QSL. Mais hélas, demain soir, je retourne au pro. Donc là, j'ai intérêt à me dépêcher là de m'occuper là de l'espace vert. Sinon, j'en connais une. Hein, je connais une YL qui risquerait bien de me faire des QRM là ici au QRA. Chie trois coups. Surtout, putain, j'arrête pas de dire ce mot-là, quoi. je lui ai promis en plus que là que je m'occupais de l'extérieur. Alors, je vais y retourner. Et encore merci, hein, j'encombre un peu la fréquence, mais je te la redonne le plus rapidement possible. Donc je renouvelle les bonnes 73-51 à vous tous, et à bientôt sur les ondes. Merci beaucoup, je te renouvelle tout ça, et à très bientôt en fréquence. De toute façon, dès que la vidéo est prête, dès que je l'aurai retravaillé, encodé et tout, je la mettrai en premier là sur le groupe CB de Tintan, canal 27625. Voilà, un petit coup de pub en passant, voilà, c'est fait, hachis trois coups. Eh putain, j'arrête pas de dire ce mot-là, je coupe, merci beaucoup, bye, à bientôt. Ah, tu veux que je reste, hein, c'est ça, hein. Chie trois coups, je l'entends à peine, c'est très très QRP, là, comme tu entendras, là, dans la vidéo, parce que du coup, là, j'ai continué à la laisser tourner. Là, c'est du Santiago, on peut dire zéro, et radio 1, éventuellement, mais j'ai juste entendu à peine sa voix, là, comme tu pourras l'entendre dans la vidéo. Voilà, les bonnes 73-51 à lui, à Fernand, et à bientôt sur les ondes. Ok, QSL, toi, j'arrête pas de dire que je coupe, mais à chaque fois, j'attends, tu me refais à nouveau rentrer dans le QSO, et je reprends à nouveau le micro. Et tu sais que il doit y avoir d'autres stations qui attendent, là, derrière la porte, là, pour pouvoir enfin vous avoir en fréquence. Et à cause de moi, là, qui bloque la fréquence, ils vont pas pouvoir rentrer. Donc là, faut vraiment que je QRT. En plus, il est quelle heure? Chez nous, il est 3h30 PM. Donc là, faut que j'aille me remettre au travail, là. Ok, merci encore bravo pour ce que vous faites là pour la CIBI là, de votre côté et sur internet. Hein. Là c'est vraiment super ce que vous faites là les uns les autres. À bientôt, au revoir.